Bonjour les amis, juste envie de vous faire un petit retour aujourd'hui sur deux jus que je m'étais pris indépendamment l'un de l'autre, sur deux corantes différentes. J'avais voulu essayer, il en existe trois, j'en ai pris que deux. Il y a déjà eu deux ou trois petits retours sur YouTube je crois, j'ai envie de vous en parler. La vanille de chez Factuel, le citron, il y a la guimauve, je ne l'ai pas pris, j'en avais un petit peu peur, j'ai pas pris, c'est pas cher. 19,90, 20 euros les 120 ml de jus sur Unicorn Vape, je t'avais pris. En zéro, forcément, 120 ml. Donc j'en ai pris que 2 sur 3. J'ai envie de vous dire ce que j'en pense de ces deux petits jus. On a du dye, on a des jus chers, on a des jus moins chers, on a des jus très peu chers, on a de tout. J'ai envie de vous dire ce que j'en pense par rapport au tarif. Ça fait un petit moment que je les ai, donc je commence à bien les connaître. Forcément, la vanille est beaucoup plus descendue que le citron, puisque je l'avais déjà acheté avant. Factuel. J'avais contacté Yannick, de Vape Institut, puisque sur les fioles, on peut voir fabriqué en France par la SARL Ideal Vape. Et j'ai dit, c'est le même logo que sur les fioles Vape Institut. Donc j'ai contacté Yannick pour avoir des infos. Il m'a dit qu'il les avait juste un petit peu aidés pour l'élaboration des recettes, sans plus. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais lui poser la question de ces deux jus. J'ai pas les recettes devant le nez. Je sais grosso merdo que la vanille, donc ça porte un nom simple, la vanille, c'est pas que de la vanille simple, c'est un assemblage de vanille. On parle de flan à la vanille, on parle de trucs comme ça. Je vais vous dire ce que j'en pense. Et le citron, c'est pas un citron simple. On parle de gâteau citron vert. On parle d'une touche de fraise, il me semble, de mémoire. Voilà, c'est des noms simples. Entre le début où je les ai reçus et le stipe et la nicotine que j'ai rajouté dedans, il y a de l'évolution en très bien, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. 120 ml de mémoire, il faut en enlever un petit peu pour mettre des boosters. Si vous mettez un booster, ça passe pas dedans. On va commencer par la vanille. Donc là, la vanille, je l'ai pas sur Dripper, mais je le vape moi actuellement sur le Gaia en dual FuZNI80 sur mes cas là, les écus, la Q est dans le mode depuis aujourd'hui, donc il est un petit peu déchargé. La vanille, je vous ai pas dit, 70% glycérine, soit 70% glycérine, 30% propylène. Nicotine, moi j'ai mis un booster et demi dans 120 ml en deux fois. En hit, j'ai rien. Dès le début qu'on la reçoit, je pense que le stipe est peut-être pas tout à fait fini ou pas encore relativement bien développé. Je vais pas vous dire que je ressens tout ce qui est marqué dedans dans la description. C'est pas une custard. On a de la vanille, c'est doux, c'est pas écœurant. C'est sucré sans plus, c'est sucré côté pâtissier. C'est pas une vanille custard, c'est super bon. Ça passe très bien moi dans cet atout. Je dois en vaper en ce moment le matin, je dois m'en vaper. 2-3 tanks de Gaia, à peu près, le matin. 2-3 tanks. Je crois qu'il parle de vanille de Tahiti aussi, assemblage de vanille, gâteau, flan. J'ai pas un gros goût de flan comme d'autres jus. De prime abord, on me dit pas flan, je dis pas flan. Là, je vais pas vous dire que je ressens foncièrement un flan, mais je ressens quelque chose de très bon. Je ressens un très bon goût de vanille crémeuse onctueuse. C'est très très bon. Moi j'aime bien. 20 balles les 120 ml. C'est pour ça que je vous dis, je voulais vous en parler par rapport à des jus plus chers et par rapport à du dye. On se dit 20 balles les 120 ml. Pff, normalement c'est plus cher. 19,90. Écoutez, je trouve qu'on a déjà une très bonne vanille pour 20 euros les 120 ml. C'est mon avis.
Beaucoup de jus sont à la vanille, mais pas énormément non plus, sentent véritablement la vanille. Je vais pas revenir sur d'autres dailles, mais si je compare, comme je vous ai dit, sur le Sentinelle que j'ai fait avec Lolo, en fin de puff de 2-3 secondes, j'ai cette part de flan pâtissier à la vanille, je l'ai bien. Dans cette vanille, j'ai un très bon goût de vanille, onctueuse. Douce, sucrée, peut-être légèrement caramélisée, encore que, mais peut-être un petit peu quand même. J'aime vraiment beaucoup cette vanille. On va passer au citron sur le Goon coton tout neuf, comme ça au moins. Dual Fuse aussi, NI80, pareil, encore et toujours. Encore et toujours le même genre de montage sur ces ATO, pour ma part. Le citron. L'odeur de citron vert qui vous arrive dans le nez, les loulous. Je vous dis que ça. Je ne vous dis que ça. Coton neuf. Avec le style, il est plus gâteau qu'au début, vraiment. Gâteau genre 4 quarts, genre moelleux, pas tarte plutôt, gâteau vraiment gâteau. Avec un très bon citron vert. Pas trop acide, mais bien présent. Pas trop acide, mais bien présent quand même, ce citron vert. On nous parle d'une pointe de fraise. Sincèrement, la pointe de fraise, si on le lit pas, moi je la devine pas. J'ai envie de vous dire, le fait de le lire et de savoir qu'on nous dit qu'il y a de la fraise dedans, on pourrait avoir l'impression de sentir autre chose qu'un gâteau au citron vert. Mais si ça l'est, c'est vraiment très 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 lointain. Je ne vais pas vous dire, moi, titre perso, que je ressens de la fraise. Par contre, j'ai un très bon gâteau au moelleux au citron vert. Sucré comme il faut aussi. Une toute petite touche d'amertume, qui n'est pas désagréable. Toute touche petite d'amertume, très légère. J'ai quand même cette touche d'amertume qui, moi, ne me dérange pas. Ma conclusion sur tes jus, encore une fois, la guimauve, je l'ai pas pris. J'avais peur peut-être qu'à force, mais il m'écœure, donc je préférais pas le prendre. Est-ce que je le prendrai? Je sais pas. La vanille, je l'aime bien, c'est possible que j'en reprenne. Le citron, je l'aime bien, est-ce que j'en reprendrai? Peut-être pas. Il y a plein d'autres jus aussi à voir, donc je ne vais pas non plus. Je ne vais pas vous dire, j'en achèterai des kilos.
Maintenant, pour 20 balles la fiole de 120 ml, sincèrement, ce sont de très très bons jus par rapport au tarif. Je ne sais pas s'il faut tout remettre en condition. Certains diront que par rapport à du Dail, effectivement, par rapport à du Dail, c'est plus cher. Forcément. 120 ml, 20 euros à la base pour 13 euros. On a 1 litre de base en zéro. Donc forcément, le Dail, c'est beaucoup moins cher. Maintenant, si on compare avec du simple monoarôme, encore une fois, à 6 euros la fiole de 10 ml, là, on a 120 ml pour 20 euros. On a 120 ml pour 20 euros. Deux très bonnes recettes. Ce sont de très bonnes recettes, à mon humble avis. À mon humble avis. C'est tout ce que j'ai à vous dire là-dessus? Oui, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous dis à bientôt, les amis, et je vous souhaite une très très bonne FAP.